rapport ça fondation J'éclairé publié qui fait qu'on est mercredi 14 novembre population pays d'Haïti découvrir à travers les réseaux sociaux des images qui choquaient yo moun yo touyé yo jeté sous pile fatra dans zone Nassali et fondation fait connait et yon situation qui touche elle et immédiatement li voyé des enquêteurs et aller pour aller comme ça passer mais yo pas arrivé entrer côté crime nan fait là ça les scènes crime nan puisque la police était dehors et li garanti sécurité dans périmètre dehors et di avant entrer dans niveau boulevard Jean-Jacques Dessalines donc enquêteur pas capable arriver entrer dedans. Cependant, fondation dit lui parler avec monde qui était dans zone Nassaline non, à commerçants, femmes ou garçons, ensemble avec des responsables de la police pour être capable gagner une idée sur ça réellement passé. Il fait qu'on un rapport ça qui c'est un rapport préliminaire enquête non, yo retracer ça passé à qui ça qui la cause qui non ça crivé qui la cause drame ça et bilan au bail là il pas total concernant valeur monde qui mouri et monde qui disparaît, pillage qui fait vol qui fait, viol qui a déjà qui fait et monde qui obligé courir quitter zone là. Événement qui la Saline 13 novembre 2018 là, yo mettait face pour face d'après ça, fondation J'éclairé dit deux groupes monde qui tape goumen non conflit qu'il a depuis plusieurs années pour prendre contrôle marché Kwabosal là. Et conflit ça pendant dernier jour ça yo, li vinn plus grave parce que question politique là est entrée la donne qu'a fait exploitation. Quitte ses partisans ou bien adversaires pouvoir. D'après ça, fondation précisée. Qui ça qui réel cause problème ça? Li fait qu'on est que groupe ça yo y a goumen qui goumen journée jeudi dans la Saline. Eh bien c'est avant ça c'est deux groupes amis yo té. Junior et les nèg charbon, qui gen en tête li Timaken ak Ti Junior qui gen comme allié nèg bois d'homme, yon pa et puis yon l'autre pa ou jeune Julio Piram alias Kiki. Et puis Hervé Bonnet, Barthelmy alias Bout Jean-Jean, dans zone Kafou l'abattoir ak Fotouron. Alors yo contrôlé, yo te contrôlé ensemble, les tes amis, marché Kwabosal. Et yo tout yo vive de marché. C'est yo même qui te collecteur qui a ramassé l'argent dans place l'état. Et yo fait marché, yo payé toute recette et rançonné tout monde femme ou garçon qui a fait business dans marché a et yo te même gon groupe rap que yo relé Party Men qui te gon clip qui te populaire yo relé Zam c'est diable et c'est Ti Mario qui gen nou artiste yo relé Best One qui te chante et Sœur Kiki an qui c'est leader Kafou l'abattoir d'ailleurs ils font petite pour Ti Maken leader li même c'est leader dans charbon et puis il fait une autre petite pour Obama et qui tout dans charbon toujours rapport cap continuer mais journée jodi a deux petites ça yo et tous les deux perdit papa yo dans sac passé a puisque jeune dame ça il gagne deux petits monde sous bras papa yo mouri dans conflit li important pour faire connaître que marché a été divisé en deux parties fi aussi c'est consacré une partie la donne pour nèg marron nèg bois d'homme et puis dans forêt pour Fortouron à Kafou l'abattoir. Dans l'année 2013, te gon conflit entre deux groupes et côté te déclaré pas gen côté là pour deux banrara danser. Deux rois pas ka ap dirijon seul royaume. Ti Maken qui chef groupe nèg charbon, li mouri assassiné. Et pendant assassinat Ti Maken nan, nèg charbon yo ak allié nèg bois d'homme yo chassé dans la Saline. Et depuis date ça et te gen moment ou le gen la paix ou le gen conflit dans zone. Le premier conflit a te duré 9 mois avec en pile victime. Vin gen une entente qui rivé dans zone nan pour établir ça rele la paix. Mais leader nan charbon et nan charbon yo toujours été dehors marché parce que te vin très prudent ou bien te peur particulièrement bout de Jean-Jean. Dans mois décembre 2015, c'est toujours fondation J'éclairé qui a parlé. Pendant yon match football qui te mette face à face nèg bois d'homme et dans Lambada équipe là et deux équipes et puis avec l'autre et l'autre équipe et avant que conflit a recommencé et toutou un l'autre leader et Kafou l'abattoir il était mouri en bas balle et puis Mamouna une dame enceinte il était mouri assassiné en bas équipe Ti Junior.
Toutou, c'est un bandit qui t'est pris en retraite li, et qui t'est négocié entente et qui t'a prêché la paix dans zone nan. Conflit ça t'est duré 4 mois avec tout un paquet de monde qui victime. Gagne une autre entente tu t'est arrivé négocier. Une situation la paix pas duré que t'est précaire et qui t'est duré environ 2 ans. Chaque groupe yo a essayé chercher support politique et économique qui nécessaire pour capable contrôler zone nan. Et depuis dans ça c'est course y a fait qui est cap ba aux armes qui gens pour faire gains armes. Serge Alectis alias T Junior nèg bois d'homme. Li vinn proche parti haïtien tête calé à PHTK. Particulièrement vinn proche délégué départemental l'Ouest là Joseph Pierre Richard Duplan alias Pierrot ancien magistrat intérimaire. Alors que Julio Piram alias Kiki ak Hervé Bonnet Barthelmy alias Bout Jean Jean yo même yo proche opposition. Particulièrement proche député Lavalas Roger Milien. Mais tout monsieur Saïd entré sorti quitte beaucoup opposition qui beaucoup pouvoir et yo toujours gain entrée ak pouvoir en place là et qui facilité entrée dans zone nan diverses personnalités tête calée tant coup Thierry Maillard Paul Florence Duperval Guillaume et puis madame président qui là Martine Moïse donc yo tout gain contact et qui rivé entrée en bas. Dernière visite qui était faite dans nuit en c'est premier ministre Jean-Henri Seyan, c'est en 17 octobre 2018. C'est toujours Fondation qui a parlé et c'est ancien député Arnel Bélizère qui était facilité Jean-Henri Seyan de descendre la saline en 27 octobre mais ça a été réglé à pas arrivé fait parce que Bazio t'a bail problème. Donc premier ministre là c'était membre dans gouvernement non, il pas arrivé descendre dans machine. Yo. 17 octobre 2018, cortège président Jovenel Moïse dans courri qu'on connaît dans Pont Rouge. Et à cause de manifestations sans attendre qui t'ai gain contre yo, et t'ai ouais des policiers qui t'ai vent à tête t'a courri, mais t'ai gain zame qui t'ai marié. Et yo run pouvoir run monsieur dans la saline ça yo qui sous contrôle Hervé Bonnet Barthelmy alias Bout Jean Jean, à Julio Piram alias Kiki, yo dit qu'ils sont artistes engagés qui se frère toutou. Leader zone nan qui est assassiné dans l'année 2015 responsable ça qui passait pour rouge là monsieur Lassaligno yo longé droite dans attaque ça sou yo pour deux raisons d'abord 13 octobre 2017 madame président Martine Moïse qui était gay avec le docteur Greta Wa alors gen docteur Greta Wa ministre ah non c'est docteur et c'est do, ministre et santé publique là et qui était avec madame président et puis diverses personnalités tant qu'un ambassadeur Taïwan qui a crédité en Haïti et docteur Greta Wa Clément et puis Guillaume Cheng Hao Hu ambassadeur Taïwan représentant direction nationale de l'eau potable et assainissement du Népal yo tout yo la saline ak appui groupe armé que Bout Jean Jean contrôlait et yo te fait des promesses pour passer maintenant centre santé dans l'école primaire promesses qui pas jamais respectées. Deuxièmement, opposition lui-même tout t'a organisé une conférence de presse dans la saline nous songe ça en dedans même centre santé communautaire ça 15 octobre 2018 avec appui même groupe armé ça yo qui t'a accueilli madame président délégation en 27 octobre comme ça gain menace qui t'a faite à travers WhatsApp by monsieur Fatouron yo yo t'a fait connait y a fait payer radies permettre yo t'a fait 17 octobre dans Pont Rouge non. Oui, mais toute qualité qui est circulée dans la saline en vent 18 novembre, ça qui a privé demain. Côté, il y a un groupe qui prend le chasser, l'autre groupe qui a été chassé dans la saline dans l'année 2013, qui a été nègre dehors, qui a dû chasser le groupe Bout Jean Jean et qui a été nègre dedans. Bout Jean Jean s'est dit, mais on fait la police te débarquer dans l'hôpital Bernard Muse. 1er novembre 2018, pendant que Kiki Yann, le parlementaire de la Valation, a rendu hommage, il a mouru avec Bout Jean Jean. Yo ta fond distribution l'argent 250 goud ak 100 goud bay moun ki pi pov yo dans corridor fondation et jeune Corée jeune gen 4 moun yo identifié comme nèg charbon nèg de yo ki tire Julio Piram alias Kiki mouri la pou la et Hervé Bonnet Barthelmy alias Bout Jean Jean di blessé gen yon nan agresseur yo ki blessé tout c'est Ti Pablo c'est tout non yo konnen et gen tout l'autre victime innocent gon jeune nan Vivario qui sont danseurs et capoeira et yon l'autre jeune que yo connais sous nom Tiga
qui perdu la vie ou tout parce que te trouvé au mauvais endroit dans mauvais moment et depuis dat ça son situation tension qui établi dans zone 13 novembre 2018 bonjour 3h 4h comme ça en après-midi nèg charbon yo ak nèg bois d'homme nèg dehors yo renforcé avec chérisier Jimmy alias barbecue qui c'est un policier yo bay identification c'est ID 05-16-07-07-570 un policier Udmo qui contrôlait des gangs qui tabli dans Delma 2 Delma 4 Delma 6 ak Delma 8 et qui c'est tout un agent sécurité rapproché de un député et qui t'est attaqué avant ça nèg Tokyo qui s'est allié bout de Jean-Jean et yo fè konnen que Tokyo yo rappelé géographiquement situé en face Saint-Jean Bosco et faut que ajouter tout Olisha Boston cité Soleil qui était chassé dans zone nan et Tiwunga et qui installé dans zone 2e avenue Bolos nan pour capable épauler base Pilate dans bataille la mené contre base Anel avec même base Pilate yo monté une opération yo attaqué la Saline pour yo capable soumettre zone ça en bas autorité Serge Alexis alias T Junior Grégory Antoine alias T Greg qui sont policiers tout identification c'est ID 06-18-05-08-675 qui c'est un agent sécurité rapproché délégué départemental l'Ouest non yo accusé dans assassinat ça li fait pour délégué ça jodi a et pour ancien magistrat qui était ancien magistrat pour ancien magistrat Port-au-Prince tout Paul Antoine alias Ticoton ak Benoît Michel alias Pouchon 8 octobre 2014 moun sa été assassiné et yo suspect yo d'après d'avoir été accompagné assaillant sa yo yo dit qu'il était environ 200 nèg ak zam qui a fait massacre la Saline non bilan pas total d'après sa fondation fait connait mais li lou entre 15 ak 25 moun ki mouri tant qu'on dame yo rele Layou ak petite li Thibaut Rouge ak madame ni Kiki Jacques Assé Jordan Lopez Emmanuel Estimé alias Mano Yago Elifet Tide Adriano yon ti moun ki gen 16 ans Val ak Val Assé Jameson Assé et Juanito Assé Jimmy Assé et puis et Gracia Mimose li disparaît gen kade moun ki obligé parmi liés qui étaient zone non au moins gen 6 femmes yo fait ka déjà sou yo et gen 15 kay ki pillé n'attendé madame Marie-Olène Gilles puisque c'est fondation non qui fait rapport ça sur événement qui passé la Saline de qualité important pour nous présenter rapport ça n'attendé nan micro Robinson Henry directrice exécutive fondation J'éclairé et sous événement la Saline ça passé la Saline 13 novembre 2018 là c'est des groupes qui remontaient de plusieurs années qui gien zam nan men ou qui gien des conflits entre yo conflit ça yo pour qui ça c'est pour marché quoi des roussal là côté yo tout vle c'est eux même qui pour gien contrôle marché a pour yo camper sous pied l'état pour yo toucher taxes que et marchand yo commerçant yo même yo gagné et puis yo contribuer pour marché a groupe ça aujourd'hui en face sorte là c'est des groupes qui étaient des bons amis dans le temps tant que nèg charbon que tu maken a dirigé et puis gagné nèg bois d'homme l'autre côté donc yo chaque yo gagné et chef payo qui gen zam nan men yo côté il y a opéré leur pour décider puis entendre yo ensemble dans le temps oui pas qu'on y en an ou vinn joine yo déclaré ou de ou pas gérer non ou même espace donc ça veut dire yo gagné des moyens yo mettre à la disposition yo pour yo chaque espace par yo pour yo capable gagner contrôle espace là donc conflit à lui-même c'est un conflit qui était là longtemps après dernière visite pouvoir en place à Talten en date 17 octobre 2018 là pour être capable voir comment était capable entrer en dedans la Saline depuis le sa situation te vienne aussi j'ai une tension qu'a compter là-dedans mais 1er novembre 2018 là pendant qui avec bout de Jean-Jean
yo t'ap distribué la zèpe. Femme de Kiki avec Boudjanjan yo même, c'est des moun qui t'a paraît plus proche opposition. Mais ça pas dit pour autant que yo pas contre facilité pouvoir et des activités dans zone. Yo t'ap distribué l'argent ba on série de moun qui pas gagné dans zone nan, dans corridor fondation jeune corrigeant nan. Là pour là, il y a 4 moun qui débarqué, yo rale revolver yo, yo tiré. Et comme ça, Kiki, qui est bon, et Julio Piram, il mourit là pour là. Et Hervé Bonnet-Bantelmi, alias Bout Jean-Jean, il veut prendre balle et il était amené à l'hôpital. Donc, ça vient soulever colère population. Hein? Donc, on vient de jeune, c'est deux camps qui ont gommé. Il y a un camp qui est renforcé par base Pilate. Et qui gagne des autorités en place là-dedans, qui ont même renforcé. Qui autorité ça? En fait, moun nan zon nan, yo cite des policiers, par exemple, yo renforcé par Chérie Zézimi alias Barbecue, qui clairement identifié nan rapport qui sont policiers, donc qui gen contrôle et tout gang qui nan zon Delma 2, Delma 4, Delma 6 avec Delma 8, et yo identifié de l'autre policier tout, qui, quand Grégory Antoine, alias Tigre, qui sont policiers qui clairement identifiés, qui c'est agent de sécurité actuel délégué département de l'Ouest, là, qui accusait tout comme monde qui a fait exaction et qui en 2014 détruisait Paul Antoine, alias Ticoton, ensemble avec Benoît Michel, alias Pouchon, en octobre, le 8 octobre 2014. Quand ça y est, ils ont renforcé et ont alimenté en armes par des officiels, par des autorités. Donc c'est comme ça qu'ils ont face pour face, ils ont simé la terre. Bilan, l'ilou en pile. Avant d'arriver sous bilan, et vous dites que ils ont armé par des officiels, quel ça dans qui camp politique? Clairement, c'est un délégué départemental avec des policiers et en fonction qui ont même débarqué à aller prendre des gaz dans la Cité Soleil. Tant qu'au Tiougan, tant qu'au Olisha qui sorti dans Boston, yo même y a lutté et contre base Anella, ça a fait yo prendre base Pilate, yo monté une opération et arrivé attaquer et la Saline. C'est comme ça, jodi a, yo installé T Junior avec zam nan men qui gen contrôle et la Saline. Nous arrivé identifier 15 à 25 moun qui mouri, mais Jean Nozoulia, c'est un rapport qui partiel et bilan li partiel tout. Puis fon nan non qui cité yo, c'est des surnoms que yo yé parce que grand peur en bas. C'est pas facile pour moun yo. Moun yo a vivre na peur, moun yo a vivre non stress. Gon pile moun ki déplacé ki te côté yo te ya, c'est-à-dire que c'est déplacé interne, c'est des milliers de moun ki kite zone nan. Et pou pipiti 6 femmes ki te moye que yo violé, sans compter kay que yo déchouqué, que yo pillé nan zone nan. Trans journal sa, c'est Nissan ak Accordia Shipping, rapidité et fi. C'est l'État pour garantir sécurité sur l'ensemble du territoire pays. C'est le fait que l'État a montré corruption lui-même, c'est la norme. Donc, les des groupes armés, ils ont toléré, ils ont financé, ils ont approvisionné en armes et en munitions pour des autorités, ils ont agi avec complicité autorités. Nous croyons que c'est grave, c'est à dénoncer. Un pays pas capable de fonctionner comme ça. Ils ont banalisé le droit à la vie, son garantie constitutionnelle, et ce qui sont garantis tout à tout traité que Haïti est à partie. Ils ont banalisé le droit à la sécurité. Côté moun personne, moun pas capable de circuler, l'école pas fonctionner, machin yo pas capable de mener activité, l'église yo en difficulté, activité culturelle yo au point mort, la liberté de circulation. Je compromets les parce que le monde n'a pas faire le luxe pour vous passer sur le boulevard La Saline, je ne vous dis. Donc, nous croyons, il faut qu'il y ait bon gens enquête judiciaire qui menait pour capable identifier responsable massacre, puis arrêter, remettre au bail la justice répressive. Nous avons demandé tout. Massacre, ça a été arrivé fait là. Est-ce que vous pas utilisé l'argent délégation de l'Ouest pour capable financer des bandits qui impliqué dans massacre qui parle fait une façon pour stimuler la peur dans manifestation qui parle fait 18 novembre dans côté population après réclamer lumière sur utilisation fonds préto caribé nous exiger moun que yo touyé yo yo raché yo jeté yo faut que l'état prenne responsabilité pour capable bay moun sa yo funérailles faut que yo prend en charge tout petit moun qui mouri yo jusqu'à ce que yo fin fait études professionnelles yo
études classiques et études universitaires. Il faut qu'ils prennent un stade tout déplacé dans la zone. Il faut qu'ils rétablissent l'autorité de l'État dans la zone. Afin que la mairie Port-au-Prince lui-même soit capable de prendre le contrôle de la machine Kwaboussal, la machine n'est pas capable de rester sous compte gang. Il faut qu'ils désarment tout groupe armé, identifier tout le monde qui a fourni gang nos âmes avec munitions en bas la ville Port-au-Prince là. C'est le 13 li fait donc dans mi-temps dans nuit là. Histoire la saline pas adaptée de 2018 là. C'est des conflits qui existaient depuis avant qui je ne veux dire qui viennent renforcer avec des autorités qui voulaient installer des gangs puis on capable bien contrôle et masser quoi des boussales là dans place la mairie Port-au-Prince.